Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu chinois, la bêta fermée du jeu chinois de Fairy Tail Fierce Fighting ou Fighting Pass ou Fighting tout simplement. Et on va directement découvrir le jeu. Les serveurs sont ouverts depuis 3h50 du matin. Et on y go. On a remarqué qu'il n'y a pas de système d'esquive. Il n'y a pas de système d'esquive sur ce jeu. Peut-être qu'ils vont le rajouter d'ici la bêta ouverte. On verra ce que ça va donner. Du coup, on remet ça comme ça. Ok. Nice. Ok, c'est bon. Là, c'est cool. Faut que je vois un peu après dans les graphismes si on peut améliorer ça parce que dans les screenshots que j'ai vus, la qualité elle était largement meilleure. Je crois que là on n'est pas sur du 60 FPS. Hein. Je remarque que si. Ah si si, on est à du 60. Ok. Je viens de up. La vidéo sera rapide. Je pense qu'on va faire pas mal de live là-dessus. Ok. Je regarde si on peut mettre la musique du jeu. Ah, c'est les musiques du jeu et non de la licence, du coup, ça va tranquille. En vrai, en termes de qualité graphique, OPFP est largement meilleur. Il se peut, je ne le dis pas, je ne dis rien, mais il se peut que ce jeu. On peut l'avoir en global, pour quelle raison? En fait, c'est Konami qui a les droits sur les jeux de Fairy Tail en Europe ou même en Amérique, qui fait que on aura la possibilité, pourquoi pas, de l'avoir en global, vu que normalement Konami ne casse pas trop la tête là-dessus. Même si cette entreprise qui gère ce jeu n'est pas connu vu que on va dire c'est leur deuxième jeu en fait. Leur deuxième jeu, leur premier jeu en fait c'est un vieux jeu dans le même style sauf que c'était du top-down ARPG. Du coup, la caméra c'était du MOBA, comme du MOBA genre League of Legends et tout. Oh, la guitare électrique est sur Lost, l'OST. Et du coup, je pense qu'on peut largement l'avoir en global. Après, il faudra attendre sûrement l'arrivée du jeu en lancement officiel. Ce qui fait qu'il faudra attendre encore 3-4 mois, je pense, si, au grand max 6 mois. Ils ont dit au plus tard jusqu'à mars-avril avant la sortie du jeu. Au plus tard, vraiment, c'est le grand maximum. Mais on peut avoir le jeu d'ici. On peut avoir le jeu d'ici octobre. Enfin, la bêta ouverte, on peut l'avoir d'ici octobre, à ce qui paraît. En fait, là, ce qui m'intéresserait, c'est de voir si on peut payer avec Google. Si on peut payer avec Google, on aura la possibilité de voir une version globale. Faut que j'aille dans les paramètres parce que là. Elle est pas ouf. Y a quoi comme. Comment ça, ils nous ont sorti Cobra? Cobra et un perso des 2 ans plus tard? Enfin, après l'ellipse? Non, c'est pas après l'ellipse, c'est avant l'ellipse, mais. C'est quoi ce délire? Oh la dinguerie! Ok, on ferme ça. On fait ça. Ok, on fait le dernier niveau et c'est là où on va débloquer les compétences. Après avoir fini le tuto, je pense que je vais aller dans les paramètres pour améliorer les graphismes plutôt. Parce que là, c'est pas incroyable.
C'est là où on va débloquer les skills, les compétences, normalement. Non, toujours pas. Ah, on peut switch. Ok. Ok, on enlève sa garde, son bouclier. Il ne reste plus rien du coup. Ok. Ok. Je crois qu'on va, je vais aller voir tous les persos qu'il y a après. Et ça. Ouais, là on est dans le délire de MHA concernant les récompenses. Est-ce qu'on peut se déplacer dans la map? Non, ça m'aurait étonné. Qu'est-ce que je voulais dire? Reward? Première journée de co. Bonus d'énergie. Ah, mais on est déjà. Ah, d'accord, quand on est full, on peut pas. Ouais, ils sont sérieux de nous sortir autant de persos? Pour une bêta? J'espère que à la sortie officielle, il n'y aura pas autant de persos. Oh, ils ont bombardé sur les persos. Du coup, qu'est-ce que je voulais voir? Mail. Non, on n'a rien. Faudra qu'on farme du coup. C'est très bon, hein. C'est vraiment très beau. Alors là, on va voir. Ah, mais on peut tout acheter du coup, ouais. Je pense qu'on peut tout acheter. On va directement invoquer pour voir comment fonctionne le système d'invocation. Ok, on atteint le niveau max d'achat. Ok. Directement aller ici. Ah, je me disais bien. Ça aurait été OP qu'on achète tout dès le début. 2300. Il y a quoi faire d'autre? Je peux pas acheter, c'est dommage. J'aurais bien kiffé acheter ça en vrai. Ok, bon. On récupère tout, hein. C'est gratuit. Hein. Ça fait plaisir. Ok. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va aller ici, récupérer ça. 2500, et là il y a quoi? Il n'y a pas grand chose. Ils m'ont dit que c'était 2800. La multi. Ok. On va débloquer ce personnage. Il y a déjà 2 étoiles. Il va être marrant ce perso. Il va être très marrant. Il va être cool. On va l'améliorer aussi.
On va l'éveiller plutôt. Le break limit. Ok. Du coup, on a d'autres compétences. C'est gratuit. C'est pas la rareté la plus haute, mais c'est quoi? Ok, c'est violet. Et après, on va dire SR et SSR en fait. R, c'est le bleu, ouais, on va dire ça comme ça. On peut pas sélectionner? On peut pas, faudra attendre. Reward, est-ce que c'est obligé? Il y a un autre truc à récupérer, c'est obligé. C'est obligé, juste pour aller invoquer. On va aller dans recruter. Ah, mais on a une multi. Ok. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir si c'est beau ou pas. Gray, bon, c'est du R pour le moment. Oh, Jubia, un perso SR. C'est pas vraiment les raretés, mais comme ça on se repère facilement. Ok, un nouveau perso. Celle qui traîne avec Léon. Oh, ok, la fille de Guildhearts. J'ai oublié son nom. Oh, Phantom Lord, l'un des quatre éléments. Pas fameux la multi. Hein. Pas fameux, pas fameux. Le taux de rareté, je veux voir ça. On est sur du 0,2, enfin du 2 pour... Ah, en vrai, ça va, 2%. Ça va, ça va. Ça va, on pourrait dire il y a pire. Du coup, on va les faire un peu avant de voir si on a un truc. On va veiller les persos plus tard. De toute façon, c'est qu'une bêta. Les erreurs sont acceptées. Ok, excellent. On est à combien de temps sur la vidéo là? On est déjà à 13 minutes. Ok. Ah, j'ai oublié de changer les graphismes, c'est vrai. On peut pas changer l'angle de la caméra. Là, je suis en full auto en vrai. C'était rapide. Par contre, il n'y a pas les voix. Il n'y a pas encore les voix, c'est dommage. On va l'ajouter du coup. Si je peux. Je peux pas l'ajouter. C'est la seule que je peux pas ajouter. En vrai, le perso que je voudrais bien voir. Bon, j'ai pas un truc de fou. D'accord, en fait, faut que je me tiens. Ok. Du coup, on va faire ça. En vrai, de vrai. Ok. Maintenant, on va tester. On va voir la beauté du jeu. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme attaque? Ah, c'est une attaque de charge. Une attaque chargée. Enfin, une attaque de charge plutôt.
Ah, c'est stylé de fou. C'est assez rapide. On va tester, je joue bien après. Ok. Du coup, là, le niveau max que je peux mettre, c'est niveau 6. Vu qu'on doit monter les persos selon le niveau max du compte, de ce que je viens de voir. Les parchemins qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour l'amélioration des persos. Hein. Ok. Alors, c'est quoi ça comme attaque? Elle est où la compétence attaque céleste, les épées célestes? Moi, je veux voir les attaques célestes là. Je pense que c'est la version 1 du perso. Et dès que le jeu sortira, on verra d'autres trucs. On verra d'autres versions de perso plus tard, je pense. Avant toute chose, Guild Sorcerer. Où les paramètres? Je vais voir la trad rapidement. Ok, c'est ça en fait. Je découvre en même temps que vous comment tout ça fonctionne. Bon, on va enchaîner un peu quelques trucs avant de faire une autre multi. Il y en a, ils ont été chanceux de drop un perso SSR dès le début. Ok, maintenant qu'on a vu le gameplay de Erza, on va voir son gameplay à elle. Déjà, lui, il est plus intéressant. Bon, on va voir son gameplay à elle maintenant. Ouais, par contre, ça casse la tête, hein. J'ai pas changé de caméra. Son gameplay est plus intéressant, je trouve, à elle. À partir du 2.6, on débloque le mode auto, je crois. On retourne sur elle. Par contre, je trouve qu'on gagne pas assez de cristaux par quête. Il y a une dizaine de niveaux, je crois. Ah, par contre, on peut faire plusieurs teams, c'est cool. Ok. Ça va jusqu'au 2-12, du coup, 20 fois. 20 fois 8. Ça me fait 160. Et à la fin, on gagne 100, je crois. Ouais, c'est ça. On gagne 250. Pas foufou. Ah, ben du coup, ça c'est cool. Ok. Du coup, on va faire ça. Et après, on va partir invoquer. Je sais que la vidéo a été assez longue. Mais vous savez que les vidéos découvertes, c'est toujours comme ça.
Par contre, le gameplay, il est vraiment différent de celui qu'on voit d'habitude. On switch pour provoquer le combo de duo comme dans Genshin Impact. On retourne sur ce perso. Ok, du coup on va partir invoquer vu qu'on vient de terminer ce niveau. Vraiment graphiquement One Piece Fighting Pass est plus beau hein. Mais là, ce que je comprends pas, c'est qu'on n'a pas de compétences ultimes sur ça. On va partir invoquer. On gagne une multi par truc normalement. Ok. Reward. Ah ben cool, nice, c'est bon. Okay, tout à l'heure. Ok, il y a même un pass de combat. Rien qu'il me donne des trucs pour invoquer, ça c'est cool. Ah ben non. Ok, on va acheter ça plus tard, je pense. Du coup, vu qu'on a validé, on a tout validé ici. On va aller partir invoquer. On va partir invoquer, du coup. Oh, le taux de drop ici. Ouh, ok, d'accord. On va faire ça ici. Du coup, en fait, toutes les deux multi, on a un SSR. Oh, d'accord. Dès qu'un truc est étincelant comme ça, c'est ça. Nouveau perso Gadjil. Un doublon de Jubia. Wendy. Nice. Ah ben voilà, tant mieux. Excellent. Quoi comme... On va voir, on verra ce qu'il donne en partie de toute façon. Elfman. En fait, c'est bien ça, c'est toutes les deux multi. Toutes les deux multi, on drop un SSR. C'est incroyable ça. C'est réellement ça, c'est incroyable. Hein. On va ici du coup. Ok, je pensais que c'était un truc, mais non en fait. Sorcereur. On va le monter du coup. Non, c'est pas, c'est là. On va monter ses sorts. On va voir ce que ça donne. On va le remplacer par Jubia. D'ailleurs, Jubia que je peux break limit, je crois. Je peux break limit. Ah non, j'ai pas assez. Bon, c'est pas grave, allez.
Go, on va tester ce perso pour terminer la vidéo. On va faire comme ça. Allez, c'est parti. Est-ce que pour les persos de rareté orange, on aura quelque chose d'intéressant concernant les skills? Ah là, on... Ah oui, là c'est plus beau. Ah, c'est excellent. Les gars, ce même système sur le pour la bêta ouverte et l'ouverture du jeu concernant les invocations. Ça sera incroyable, hein? Ah ben voilà. Ça sera tout pour cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Et on se retrouve sur mon Discord et sur Twitter pour partager pour ceux qui ont accès à la bêta. Pour se partager tout ça là. Et sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace. Prenez bien soin de tout le monde.